La protection des zones agricoles est très importante à l'heure actuelle. Notamment, aujourd'hui, on a besoin d'installer de nouveaux agriculteurs pour pouvoir permettre notre souveraineté alimentaire. Quand des terres agricoles sont utilisées pour des énergies renouvelables, qu'en devient-il quand il y a revente de ces surfaces, notamment pour accompagner l'aide à l'installation de nouveaux agriculteurs? Je pense qu'il y a tout intérêt à effectivement protéger ces surfaces pour permettre l'installation de nouveaux agriculteurs dont nous avons besoin. Nous soutiendrons donc ces amendements qui visent à protéger les terres agricoles. Ça ne veut pas dire que nous sommes opposés aux énergies renouvelables, bien au contraire, mais il y a nécessité à que ça ne se fasse pas n'importe comment et n'importe où. Parce que nous voyons aujourd'hui arriver, notamment sur le secteur de l'agriculture, des financiers qui n'ont absolument rien à faire de l'utilisation des sols, mais qui veulent uniquement de la rentabilité financière.